Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo et j'ai reçu plein de cartes PSA. Donc j'ai fait un petit envoi avec mon cousin, avec un ami. Bon, les cartes de mon ami, je les ai déjà données du coup. Et les miennes, c'est de mon cousin du coup. Donc on va regarder ça ensemble tout de suite. Allez, c'est parti. Moi j'ai vu les notes donc je vais pas trop vous spoil, mais voici le arcana. Donc tout ça, c'est les cartes de mon cousin en premier, il me semble. Donc un article d'un ex. T'es sérieux, c'est très très beau. Hein. Ensuite, le Groudon secrète de Les Oubliés qui tape son 7. Bon, ça c'est un peu moyen. Mais bon, ça reste correct. Le Mew, très très belle carte, un hein, Mew secrète aussi. Qui tape son 9 hein, avec un Spirou ici. Très très joli. Ensuite, Pikachu pop. Très très bien. Ouais, Hollowblade. Je pense que vous l'avez vu, ouais. Ici, ça se voit. Ouais, moi, ça se voit sur toute la carte. C'est incroyable. Et elle a 9. Ça, c'est très très beau. Hein. Très très beau. Élector X. Magnifique. Qui tape son 9 aussi. Jalga. Donc, la promo de la Pokébox. Qui tape son 9 aussi. Là, moi, je l'ai que en 8. Mais il la faudra en 9 aussi. Hein. Un jour. Ouh là là, j'ai vu un de ces spirouilles là. Je crois, ouais. Il y a une spirale et je crois qu'il y a une petite micro-rayure ici. Ça tape quand même son 9. Hein. C'est pas mal. Hein. Bon, je pense que le 9 est mérité. Ensuite, encore un Mio qui tape 8. Le Pikachu. Avec une printline ici et un petit peu roulé de sprintline, je crois. Printline, pardon. Moi, j'avais 9,5 dessus, les amis, donc très content. Et là, c'est un 9. Encore un Dracaufeu. Là, ça a l'air plus propre et il tape 9. Ensuite, Giratina. Promo, j'adore avec son attaque là, c'est trop beau. Qui tape 8, ok. Donc, on passe à mes cartes. Là, c'est un Régigigas que j'avais sorti de booster au Gala, donc big up à tous les poteaux du Gala. Je tape 9, donc très content. Togekiss que j'ai sorti de booster aussi pour mon anniversaire cette fois-ci. Petit 9. Lunastock que j'ai aussi sorti de booster au Gala, qui tape 9. Ensuite, Hippodocus. Donc ça, j'avais acheté chez The French Platinum. Je crois qu'il y avait juste une micro-rayure ici. Ouais, on la voit ici. Et elle a tapé 9,5, donc ça, c'est très cool. Bon, je pense que 9 aurait peut-être été plus justifié, mais bon, peut-être pour une micro, ils acceptent le 9,5, donc très content. C'est vraiment une illustration que j'adore, et déjà mon père de base. Ça me fait très plaisir. Ensuite, une autre carte que j'avais acheté chez The French Platinum, n'hésitez pas à aller voir son site. De très grosses pépites, surtout beaucoup, bah, que de l'ancien en fait, c'est vraiment une dinguerie. Donc ce Drascore, j'adore vraiment l'illustration avec un membre du Conseil 4. Et c'est un 9. Regardez-moi cette brillance sur des cartes de type obscur, c'est très très beau. Et tout Raptor. Encore une fois, de toute façon, si j'en vois, c'est que ça me plaît, donc voilà. Et tout Raptor, Pokémon de la 4G, qui tape son 9 sur Tempête. Donc encore une carte sortie de booster, mais que j'ai acheté chez The French Platinum. En non gradé, que j'ai fait grader ensuite. On passe ensuite à une des cartes aussi que j'ai sorti de booster. Donc un Latios, qui revient PC à 9, et j'ai aussi le Latias en reverse, qui a eu 9, enfin, qui a 9 aussi, que j'ai acheté. C'est vraiment magnifique, j'ai réuni le duo, donc je suis trop content, très très content. Et là, on passe à une carte vraiment emblématique, les amis. Vraiment, c'est très très... Enfin, vraiment, c'est une carte très très rare. Déjà, c'est 200 PV, donc voilà. Mais c'est une reverse qui est très très dure à choper, une rare reverse. Et elle a eu 9, oui. Forcément, j'ai sorti le booster. Bon, j'aurais bien avoir un 9,5 sur celle-ci, mais bon. Ouais, il est vraiment très très propre. Après, forcément, les petits points blancs comme connu sur les Diamants et Perles, mais bon, très satisfait tout de même. Ensuite, du récent, quasiment la seule, c'est
c'est un Givrali V-Star. Donc, senti de booster, donc 9,5. Zénith Suprême, il me faudrait la Filali, maintenant je ne l'ai pas encore la Filali, donc je vais la chercher à l'achat si jamais. Ensuite, on passe aux deux plus grosses cartes de mon envoi. Donc le Brazegali que j'ai sorti de booster lors de mon ouverture au gala avec tous les poteaux, encore une fois. Donc j'y aurais, hein, vous doutez, un Brazegali niveau X, c'est le deuxième niveau X que je ressors depuis que j'ai repris la collection, donc je suis très très content. Et elle a eu 9. Bon, c'est très très bien. Après, c'est vrai qu'on aimerait le 9,5 maintenant qu'il est accessible, mais on va pas s'en perdre un 9, c'est très bien, c'est ce type booster. Et là, c'est la carte de l'envoi. Encore et toujours une carte que j'ai sorti de booster. Mais regardez l'effet holo de duel au sommet. Non, c'est hommage, tu vois, pardon. C'est vraiment une dinguerie comment ça brille, c'est plein de paillettes, c'est fou. Carte que j'ai sorti de booster, donc comme je disais. Et elle a eu 9,5, les amis, oui, oui, oui. Très très content, voilà. Quel plaisir. Et oui. Donc voilà, c'est tout pour cet envoi les amis. N'hésitez pas à lâcher un petit like si ça vous a plu, à vous abonner, à mettre un petit commentaire avec votre carte préférée de l'envoi. Moi je pense que c'est la Palkia. Même si, enfin, en fait, niveau illustration c'est la Palkia, mais niveau, on va dire, de ce que j'ai ressenti, c'était la Brazegali parce que... Bah, sortir avec plein de collectionneurs au gala TCG, c'est quand même quelque chose de très beau. C'est des beaux souvenirs et voilà. Bon. En tout cas, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine. Allez, salut.